C'est soir de première pour Mathieu Pepper. Aujourd'hui, on le suit dans ses préparatifs. Bienvenue à Accès Infini. Il doit être en entrevue pis tout. On va passer par la cour. Mathieu Pepper! Charles! Hey! Ça vous attendez pas là? Allô à la maison! J'ai toujours mes 150 longueurs, moi, le matin. C'est toujours comme ça, là. C'est pour ça que t'étais sifflé un peu? Non, ça, c'était juste embarqué sur le sifflement. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi les projets? Là, t'essaies de me mettre dans le trouble. Là, tu veux un scoop. Moi, je peux pas parler, là. Non, mais t'es pas obligé de donner un scoop. Non, c'est parce que si tu me demandes ça, les producteurs, ça fâche. Je sais, je comprends ça. C'est pour ça que j'insiste. Ils vont te le donner. T'as 400 enfants qui embarquent sur la scène. Ils s'embarquent ses épaules. Ils font un immense P. T'as France Castel qui arrive. Elle fait du gumboot. T'as une chorale de personnes âgées qui chantent que you blow my whistle, baby. La gang de Radio Enfer qui arrive dans le Romano Fafard. Le Benelios vont chier à terre. On va laisser Mathieu se préparer, on le revoit plus tard dans la journée. Ça va, Mathieu? Oui, correct! Yannick de Martino! Comment ça va, mon chum? Bien, toi? Yes, sir! Mathieu, il y a une surprise dans la pièce. C'est chaud, là! C'est chaud? Oui, t'es chaud, ah, là! Ouais. C'est brûlant! Oh, ça brûle, ça brûle! Où ça? Mais c'est ça! Ton décor! C'est quoi le rapport avec mon show? Ça va, ton show, il va s'appeler Conférence. On souligne le con, tu sais, pour montrer que c'est de l'humour. Peut-être mettre ta face dans le haut. Yannick de Martino! On avait dit que t'étais fort! Eh oui. On va être moins dans la théorie aujourd'hui. Enlève tes lunettes. Fais juste soutiller peut-être un peu de main. Tourne autour de moi. Un petit peu plus lentement. Ok, parfait. Attaque-moi. Hein? Attaque-moi. Oh, Yannick! Salut les gars! Mathieu, réfléchis! Je voulais pas vous déranger. Non, non, pas du tout. En fait, je suis en train d'y enseigner. Fait que là, on va-tu rentrer dans le local? Le village au complet va être là. Pepper! Pepper! Avec ma grosse face en papier mâché! Hein? C'est ça? Non, c'est pas la petite séduction ici. Je pense qu'on manquerait un peu de papier mâché de toute façon. Hein? Hein? Dis-moi, c'est qui ton Jumanji? C'est-tu qui, là? Google me! Mathieu? Charles! Mais voyons là, Charles! Comment ça va? Ah! Voyons là! OK. Fait que soir de première? Ah, soir de première, Charles, soir de première. Je t'excite. C'est quoi la photo, Justin? Ah, ben, Colin, je suis surpris que tu m'amènes là. Excuse-moi. C'est mon père? Ton père est asiatique? Il est parti, puis moi, il m'a rien laissé. Même pas sa génétique, là. Rien. Essaies-tu de me faire un moment touchant en ce moment? Hein? Non. Mais c'était pas obligé, hein? Ah non, mais j'ai même pas vu qu'il y avait une caméra! Ouais, t'es-tu stressé? Comment tu gères? Excité, mais je te dirais que là, on a reçu quelque chose qui me soulage. Ben gros, là, on a reçu les commentaires d'après-show. Mais c'est ce soir, la première? Oui, oui, mais on a reçu déjà les commentaires. C'est du mensonge, ça! Non, calme-toi! Je me calmerai pas! Comme dirait mon père, Sakanu Matasato! Ok, là, tabarnak! Ça, c'est ton père? Oui! Ça, c'est quelque chose que t'as pris sur ton papa! Ça n'est pas ton père! Je t'allais depuis le début de la journée, c'est n'importe quoi! Je t'ai réservé des super longs billets, tu peux pas t'en. Je veux même pas le voir, ton esti chaud! Vous restez pas? Mais non! On s'en va au Saint-Tube avec les techs. Il me faut une shot, là! Une shot de moi qui sort de scène! On fait semblant, on le fait là! Les filles, vous pouvez pas tout me sucer en même temps! Hey, je t'en feu, là! T'as-tu vu à quel point j'étais drôle? Yes! Charles? Hey, boys? Vous avez raison, on va prendre une bière! Yes, sir!